Voilà, donc tout était bon. Passe au deuxième sac, ça va aller vite pour celui-ci, c'est une console et un accessoire. Un pédalier, c'est marqué V3FX. Un cordon de connexion. Un volant, assez imposant, mais c'est normal pour un volant en même temps. C'est marqué la même chose, V3FX. Et une console, une Xbox, la première. Alors c'est à mon frère, moi j'étais pas Xbox à l'époque. Ça, je crois que c'est un accessoire en plus, ce petit truc là. J'ai des jeux, mais parce que je les ai achetés, il y a quelqu'un qui vendait 1€ en Bitcoin. J'ai aucun souvenir de la Xbox, c'est pas une console que moi j'ai possédée. Il y a une mallette. Alors, elle est assez grosse, je crois que c'est la première version de la mallette Xbox. Il me semble qu'il y en a une deuxième un peu plus compacte. Ah, c'est vraiment. Ça fait un peu penser à la mallette de la Dreamcast, que je connais un peu mieux. Il y a des cordons. Dont. Oh là là. Alors je sais pas si elle fonctionne. Alors, on finit avec un autre sac. Alors ça va parler à mon frère. Gros clin d'œil, son souvenir. Les jeux du Val-de-Marne. Alors, j'ai ouvert comme ça pour voir, il y avait l'air d'y avoir que des VHS. Alors, il y a des films, il y a des séries animées. Wolf, un film que j'aime bien. Avec Jack Nicholson, Michel Pfeiffer. Des VHS. Jace et les conquérants de la lumière. Pas une série de qualité, on va dire. Mais une série qu'on a tous beaucoup, qu'on a vu énorme. Oh, un coffret. Il y a un coffret là-dedans. Je vois un coffret. Jace et les conquérants de la lumière encore. Ah, un film animé et la version film. Ça, mon copain Stéphane vous en parlerait un peu mieux que moi. Guyver. Avec le dos de la VHS, regardez ça. Donc ça à l'époque manga vidéo, gros succès, Guyver. Il y a plusieurs, je sais pas s'il y a plusieurs séries. Alors c'est un personnage qui découvre une armure. Alors le Guyver, c'est ni ce personnage là. En tout cas, on le reconnaît pas. Il ressemble plus à ça, à ce qu'on voit là, ici là. Voilà. C'est très violent. En tout cas, il me semble, oui. Slayers, alors à l'époque, dans les années 90, après tout ce qui était Club Dorothée et tout ça, il y a eu quelques animés qui ont connu un très très grand succès. Et parmi eux, un des plus gros succès animés des années 90, c'est celui-là, Slayers. Je ne me souviens pas de ce qu'il y a dedans, mais. Je veux dire que c'est un très gros succès. Ah, bah un coffret, c'est le genre de coffret là qu'on trouvait énormément. VHS, les maîtres de l'univers. Pas très intéressant parce qu'il n'y a que la VF là-dedans. Ah, on avait Demolition Man tout à l'heure, et voici son pendant diabolique, Judge Dredd, cette version-là de Judge Dredd. Qui est bien sûr bien meilleur que Demolition Man. Et un coffret, Ken 2. Ken 2, en dessin animé, c'était présenté comme une autre série, mais dans le manga, comme pour plein d'autres séries, le manga c'est d'une traite, comme Dragon Ball et Dragon Ball Z, le manga qui fait. C'est une seule traite, c'est Dragon Ball, etc. Ken 2, c'est pareil. J'adore Ken 2 parce que j'ai lu en manga. Mais sinon, en VHS, en animé, c'est beaucoup moins bien, c'est moins complet, il y a moins de choses. Et ce genre de coffret, ça coûtait très cher à l'époque, avant tout ce qui est DVD sort, évidemment. Version intégrale, inédit TV. Bah oui, c'est inédit, tu m'étonnes. Mais il n'y avait que, pour ces 7 VHS, il n'y a que 21 épisodes. Ce qui fait vraiment rigoler quand maintenant sur les DVD ou les Blu-ray, toute une série tient sur un seul support. Bah finalement, on voit ici d'autres coffrets sortis. On va les présenter comme ça.
Voilà. Heureusement, ça a été conservé. En fait, ce sac-là, avec ce qu'il y a dedans, en le défaisant, je me souviens que c'est moi qui l'avais fait. Donc, ça a été préservé pendant des années chez mes parents, dans une maison de campagne. C'est beaucoup, beaucoup de souvenirs. J'espère que cette vidéo vous a rappelé à vous des souvenirs. J'espère que ça en a rappelé à mon frère. Et je vais enregistrer d'autres vidéos là, parce que je suis en congé, heureusement. Rien que pour présenter 2-3 objets que je viens d'avoir, puisque c'est des nouvelles hier. Donc voilà, d'autres vidéos vont suivre très vite. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.